Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut, salut, vidéo. Ah, J'ai de l'écho. Ah, J'ai de l'écho. Okay. ok. Alors, on va commencer à résoudre ça. Alors. Qu'est-ce que ça donne Ouais, c'est mieux. Ok. Visiblement, c'est le retour vidéo qui n'était pas euh, retour audio peut-être qui, euh, qui faisait des bêtises. Du coup, c'est un peu dommage parce que la musique, euh, la musique a dû euh... ah non, remarque c'était le bon. Bref, peu importe, peu importe. Euh, ce qui est important, c'est que ben on est à nouveau euh, dans une dans une vidéo euh, la base code. Alors, en quoi ça consiste Eh bien, euh, l'objectif, c'est de mettre en place un laboratoire euh, réseau. Enfin, euh, laboratoire, pas vraiment au sens, j'aurais euh, envie de dire, euh, euh, par exemple, chimique, euh, chimique ou plus scientifique du terme. Mais euh, l'idée, c'est de faire en sorte que euh, j'ai un, euh, une sorte d'environnement réseau virtuel. Euh, qui me permettent de, euh, de m'amuser avec, euh, avec différents systèmes, différentes, euh, différentes configurations. Et euh, c'est ce que j'ai tendance parfois à appeler peut-être par abus de langage mon, mon home lab. Et euh, dans les, euh, je dirais, durant la première année euh, de, de stream que j'avais fait, bah j'avais construit ce home lab. Et là, cette fois-ci, je le reconstruis d'une autre façon. Et surtout, je le reconstruis via des outils d'infrastructure as code, c'est-à-dire qu'en fait, je peux, euh, grâce à des outils, définir, euh, définir dans des fichiers dire et eh ben, euh, mon labo, il va être composé de euh, tant de machines, euh, de euh, tant de réseaux virtuels, et, il va être, euh, et tout ça va être configuré d'une certaine manière. je vais, euh, bien entendu, vous remontrer, comme à mon habitude, le, euh, quelque part, le, le schéma. De, de je dirais de l'objectif prin principal on va dire qui est euh, celui-ci et euh, ce schéma en fait eh bien euh, on peut voir que on a euh, tout en haut la machine là le, le, le routeur qui est qui est dessiné ça ce sera euh, ce sera à terme en fait l'hôte qui euh, qui euh, qui en fait héberge les machines virtuelles et il a un premier sous réseau et puis ensuite on a des routeurs qui vont symboliser, en fait, des têtes de pont de différents fournisseurs d'accès Internet. Et puis ensuite, derrière ces routers, eh ben, il y aura différents services. On a, euh, on a ici euh, deux, deux DNS, on a des sortes de, de serveurs, euh, comme, comme des sortes de serveurs dédiés ou des VPS, par exemple. Et puis ici, là, on a une, une machine qui va servir de, de master de configuration, comme on a vu dans la vidéo précédente, euh, qui va permettre, en fait, en gros, euh, de pouvoir déployer euh, de la gestion de conf. Euh, sur, euh, sur différentes, euh, différentes machines. Et puis on pourra envisager que certains, euh, euh, certains routeurs aient derrière eux euh, des environnements qui ressemblent à des environnements, euh, on va dire, euh, particuliers. Pas, pas forcément entreprises. On pourra avoir des environnements qui ressemblent à des, en, dans des environnements d'entreprise et des environnements de type particulier, genre quelqu'un derrière sa box. Voilà concernant euh, le, le, le projet sur lequel... Euh, la vidéo euh, va porter. Euh, je crois d'ailleurs que ça fait un petit moment que j'en suis à ces vidéos-là. à mon avis, on ne doit pas être loin des, euh, des 6 ou 7 de, de vidéos sur ce sujet. Euh, J'admets volontiers que le projet est, est un, peu, un peu long, mais, euh, mais j'espère que ce sera très 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 intéressant euh, une fois que le code, euh, le code sera euh, entre guillemets euh, mature et à peu près, à peu près terminé. Le code, d'ailleurs, parlons-en, puisque le code, euh, si je puis me permettre, le code est beau, le code est libre. Euh, et oui, le code, le code est complètement libre. Euh, tout, ce que je, tout ce que je vais montrer comme code euh, dans ce, euh, dans ce, ce projet euh, est disponible sur euh, GitHub. Et euh, c'est à ce moment-là que hop, je peux vous montrer ici. Euh, hop. Donc. Le, euh, le projet est disponible. Je vais bien entendu mettre dans le euh, dans le euh, comment dire dans le chat euh, l'adresse du, euh, du dépôt euh, qui s'appelle donc la base code et qui va contenir donc euh, bah, tout ce qui est euh, tout ce qui est code Terraform puisque c'est euh, le, euh, le logiciel que j'utilise pour toute la partie, euh, pour toute la partie, on va dire, définition des machines virtuelles, de leurs capacités et des réseaux virtuels, euh, mais aussi tout ce qui est cloud init qui va permettre d'initialiser une première conf euh, sur les machines et très certainement lorsqu'on fera de la gestion de configuration via ce. Euh, via ce, euh, cette petite machine-là qu'on a, qu a appelé un peu le, le master de configuration, eh bien, euh, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir déployer de l'Ansible. Salut à toi, Manon Il euh, n'y a pas de souci. Euh, euh, pour l'instant, tu, tu rates, entre guillemets, le, euh, le résumé, euh, le résumé de, des épisodes précédents. Donc, euh, t'inquiète pas. Euh, Manon, euh, tu, tu sais déjà comment ça se passe, tu es habitué, Donc, il euh, n'y a pas de problème. Euh, D'ailleurs, euh, on va pouvoir voir où est-ce qu'on en est un peu dans ce projet parce que là j'ai un peu donné les, les objectifs. Euh, mais euh, hop, alors là il y a déjà un peu de code puisque j'ai juste vérifié 2-3 euh, trucs avant de démarrer euh, le stream. Et en fait, ce code, donc on a du code Terraform, on a du code CloudInit, euh, il y a un répertoire de documentation qui est en fait le schéma tout simplement. Et euh, pour euh, comment dire pour, euh, pour, le, euh, pour le code, euh, on va peut-être jeter un oeil tout de suite. On va faire un vim dans Terraform. Alors on va faire un vim p. tiens. Hop. On va faire un petit étoile.tf. Voilà. Ensuite, je vais me mettre ici. On va faire un petit euh, du répertoire Cloudinit. init. Euh, donc il va me falloir un petit vim. Dans euh, les fichiers euh, tac, I, ISP, bah non, Cloudinit, hop, Cloudinit, ISP1, on va dire étoile, et normalement ce sera euh, slash user-data, hop, ouais, nickel, nickel. Donc ensuite je pourrais aller ici, on va aller dans mon répertoire où il y a tout mon, euh, tout mon petit bignou, euh, donc on disait la base code, et là, on va pouvoir aller dans Terraform et on va pouvoir en faire un. Terraform, hop, init. Un petit Terraform, on va faire un petit apply, direct, en moins auto-approve. Je me permets ce genre de, comment dire, de trucs un peu goré. Parce que de toute façon, c'est du lab, c'est pas de la vraie prod. Failed. Oui, parce que j'ai fait une petite typo, voilà. Alors, hop, j'en profite pour ouvrir ma gourde, parce qu'il faut s'hydrater, hein, c'est important. De toute façon, vous commencez à me connaître, je stream sobre, moi. Voilà. Un peu d'eau. Euh, donc... Là, on a un slip à 60 secondes. Si vous vous rappelez, euh, dans l'épisode précédent, on s'était demandé un peu comment faire en sorte que les machines démarrent dans un certain ordre. Puisque, bah, typiquement, si je reviens sur mon schéma, euh, mon routeur, il vaut mieux qu'il soit démarré avant les machines qui sont derrière. Euh, en particulier, euh, si euh, celles-ci doivent, dans leur configuration CloudInit, aller installer des logiciels. Si elles doivent installer des logiciels, elles vont devoir avoir besoin d'accès à Internet. Et c'est pour cela que euh, le routeur doit démarrer avant. Donc, on avait, on avait vu un peu comment. Oups là Pardon pour le bruit. On avait vu un peu comment euh, comment mettre tout cela en place. Bien. Alors. Pendant que notre. Euh, voilà, nos VM. Hop, se sont mises en, en route. Enfin, nos deux VM. Et on va pouvoir les regarder. Donc, pour le moment. Euh, j'ai décidé de mettre les VM en local. Bientôt, elles iront sur ma machine de, euh, entre guillemets de lab, euh, mais pour le moment, étant donné les ressources que ça prend, je peux me permettre de les avoir en local sur ma machine de stream. Et donc, on a un ISP router 1 et un ISP VPS 1. Alors, pour y accéder, ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, petit sudo ici, vrsh, enfin vrsh list. Donc, on peut voir que j'ai mes deux machines qui tournent, et je peux faire un vrsh console. On va faire ISP1VPS1. Hop, voilà. Je peux me loguer comme normalement Niels avec le mot de passe password. Ah, et visiblement, il était encore en train de faire tourner CloudInit. Voilà, il est en train de. Euh... Alors, c'est CloudInit qui a créé mon utilisateur. Donc, il a déjà fait cette partie-là. Et là, à mon avis, il doit être en train d'installer des logiciels. On va revenir d'ailleurs ici et. On peut voir si je vais dans ce fichier de conf là, si je remonte, donc mon cloudinit me crée mon utilisateur, il met un sudo bien permissif comme il faut, puis il écrit quelques fichiers, notamment euh, un peu de conf pour, euh, pour la gestion de la swap, un peu de conf pour euh, que euh, DNF n'installe pas 25 millions de paquets, euh, et qu'il n'installe pas les, euh, les, euh, les fichiers de documentation, histoire de gagner un peu en espace disque. Euh, on a au passage une petite configuration fail to ban, et, euh, et voilà. Et ensuite, bien entendu, on installe les packages, donc euh, bah, euh, fail to ban, forcément. Euh, alors, pourquoi est-ce que j'installe euh, des paquets euh, comme ça directement, euh, sachant qu'il existe un, un méta-paquet qui s'appelle fail to ban qui a peu de choses pré-installe ces quatre trucs là, bah, c'est juste pour éviter d'avoir à installer justement le, le méta-paquet, tout simplement. Euh, if top, bon bah ça va me permettre de gérer, de voir un peu le, le débit sur les, sur les interfaces réseau et puis de trois bricoles bien entendu, Ansible Core, puisque cette machine va, faire, va être le serveur principal Ansible. Euh, ensuite, quelques petites commandes. On remarquera, euh, et c'est un truc qu'on avait vu euh, lors des streams sur, euh, sur Cloud Init justement, que dans le cas d'une d'une. va dire d'une Fedora, d'une radar compatible. Euh, pour, euh, pour paramétrer le réseau, il vaut mieux euh, balancer une commande en utilisant Network Manager et donc la commande nmcli. Euh, il, il valait mieux faire ça plutôt que d'essayer d'utiliser les systèmes, euh, les, euh, les modules de Cloud Init qui sont prévus pour le réseau. Parce qu'en fait, ces modules Cloud Init sont euh, quelque part euh, utilisables uniquement sous Ubuntu ou Debian. Euh, ce, qui, euh, ce qui est logique. Parce que les créateurs de Cloudinit ne sont autres que la société Canonical, si j'ai bonne mémoire. Euh, bien entendu, hein, on, active, euh, on active Fail 2 Ban et puis on récupère le, euh, le, le repo, justement, euh, dont je vous ai donné le lien. Ce qui me fait penser d'ailleurs que je n'ai pas forcément mis le lien, mais ce serait que la 25 millième fois que je le poste dans le Discord de la chaîne puisque la chaîne, euh, la chaîne a un Discord, et dans le Discord, il y a un chat avec les liens du live. Euh, donc si jamais vous avez envie de discuter entre deux streams, eh n'hésitez pas à vous rendre sur le Discord, dont l'adresse est ici à côté. Euh, vous y trouverez généralement euh, d'ailleurs les annonces quand je vais me mettre à streamer, ou si jamais je vois d'autres liens qui pourraient être intéressants pour des futurs streams, généralement j'ai un autre chan, euh, pour, euh, pour poster ces liens-là. Bien, où est-ce qu'on en est alors sur cette. Euh... Ah oui, Hop. Sur cette. Euh... Bon, ça, c'est le apply, on l'avait vu. Et là, a priori, il a généré une clé. Ok, il a fini. Donc là, je suis sur ma VM. et Si je fais un ping 1.1, j'accède à Internet. Et si je fais un petit dig at 1.1, euh, on va dire euh, linuxaffaire.org, par exemple. Ah, j'ai pas dig. Bon, bah, on va faire un host linuxaffaire.org. Commande notre femme. Bon, bon, on va faire un ping directement. Hein. Je ne voulais pas forcément lancer un ping, mais euh, hop, ping. Et on l'a. Ok. Il a résolu euh, Linux à Tout va bien. Tout va bien. Voili-voilou où nous en sommes. Euh, donc, pour le moment, on a. Si je reprends mon, euh, mon schéma, eh bien, on a euh, globalement. 1.1, explique-moi IPv4, papy. Euh, ouais, alors c'est... Euh, euh, disons que... Euh, IPv6, euh, IPv6 permet effectivement ce genre de blague-là, euh, de pouvoir, dans certains cas de figure... Euh, dans certains cas de figure... Euh, euh, comment dire euh, faire, Avoir des formes compactes d'adresse. Et là, en l'occurrence, ici, euh, quand je fais un ping 1.1, effectivement... Ça correspond réellement à 1.0.0.1. Mais euh, je me demande si on n'avait pas, pas déjà euh, expliqué ce genre de choses-là lors d'un euh, stream précédent. Il y a très longtemps de ça d'ailleurs. Mais je ne suis pas forcément. Euh, honnêtement, je, je l'utilise parce qu'on me l'a montré, mais pas forcément parce que j'ai compris tous les tenants et les aboutissants derrière. Je, je profite des quelques 5 euh, touches de clavier en moins à appuyer. Ah non non c'est le fonctionnement normal. Il y a, si tu regardes là le TC host, euh, il n'y a rien du tout hein. Et je peux même te faire euh, ici, là je suis sur ma machine locale. Je suis un ping 1.1, euh, nickel hein. Je peux même te faire ça depuis une machine netBSD si tu veux Gizmo hein. Tordu, euh, moi je t'avoue que euh, ça me permet de faire des pings plus rapidement. <laughs> Alors je vais pas me plaindre, hein. Bref. Hop. Donc là je suis sur le euh, VPS. Si je viens ici, sudo via sh list. Euh, bah non parce que 1.1.1.1 c'est pas une IP privée. Au contraire, c'est l'IP publique. c'est le DNS enfin euh, euh, pardon 1.0.0.1 c'est euh, le DNS euh, secondaire de Cloudflare. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus public. Euh... Bah, non, il ping, euh, il ping bien 1.0.0.1. Euh, euh, Et d'ailleurs, bienvenue à SNK7. Hein. First, time, first time chat. Hein. Hop. C'est. Euh... Ah, ah, bonne question, tiens. Voilà. Ouais, c'est amusant. Hein c'est pratique. Moi, je trouve ça très, très, très pratique. Euh, donc, là, j'avais euh, ma machine de type euh, VPS. Et à la base, avant, avant qu'on s'amuse avec nos pings, je voulais faire un hop console sur le routeur. Hop là. Et là, iOS, puisque en fait, euh, le routeur, lui, utilise une, une, une distrib Linux qui s'appelle iOS. Et si je fais un petit show configuration, voilà, on peut voir qu'on a... Vous voyez, là, là c'est des adresses en 10. Là, là, pour le coup, on est dans des adresses privées. Et ici, en 192, 168, 122. Donc, on est aussi en adressage. Privé, on a le masquerade qui fonctionne, on a euh, la route par défaut, on a tout ce qu'il nous faut. On a même pu voir d'ailleurs quelque part, voilà, on a une serveur, c'est lui-même, et, euh, et euh, en fait il va juste forwarder, voilà, vers le, le même serveur. Euh, et on a en NTP, un truc ici, ok. Voili, voilou. Donc ça, c'est assez cool. On s'était, euh, rendu compte d'ailleurs pour la configuration euh, Cloudinit du euh, du VaiOS, si je reviens dans la conf Cloudinit, qu'il fallait vraiment systématiquement avoir euh, le simple, les simples quotes euh, sur le dernier élément de chaque commande VaiOS. S'il n'y est pas, la, la commande, la commande passe pas. Et potentiellement, ça peut mettre en vrac les autres commandes. Donc on en était là et je crois qu'à la fin de la dernière vidéo, euh, je m'étais demandé si, euh, si on n'allait pas commencer à, euh, à faire nos deux autres, nos, nos deux autres machines ici euh, et, et même d'ailleurs faire celle-ci en plus. Euh, donc du coup, parce que pour l'instant on a celle-là, alors le, le schéma n'est pas encore super bien, bien fait, mais, mais voilà, l'idée ça pourrait être de, euh, de faire cette machine-là et ensuite de, de créer ces deux-là. Euh, ce qui voudrait dire aussi qu'il faut que je crée cette interface là. Parce que si je ne m'abuse, nous avons un ETH 0. Voilà. ETH 0 qui est inside, ETH 1 qui est outside. Donc ETH 0 est ici. Donc ça va me permettre... Enfin, en gros, là, ce que, ce que je vais vouloir déterminer, en regardant le, quelle interface mettre où, euh, c'est pour pouvoir... Euh, pour pouvoir faire en sorte que les, euh, les, euh, les différents routeurs, parce que je vais très certainement recopier du, du code euh, terraform, euh, je ne euh, vais pas forcément factoriser au maximum le code terraform, tout du moins pas dans un premier temps, pour pouvoir rester euh, sur des trucs lisibles. Et donc, euh, j'aimerais bien avoir un ordre des interfaces qui est à peu près... Euh, comment dire à peu près facile. Donc, déjà, la ETH0, ce sera toujours celle qui va vers, entre guillemets, le, le réseau interne. Euh, la ETH1, pour le moment, c'est celle-ci. Donc, c'est celle, entre guillemets, euh, supposons que le routeur, euh, il, est, euh, il regarde dans un sens. Pour moi, le routeur ici, là, il regarde de gauche à droite. Donc, euh, derrière lui, il y a ETH0. ETH1 est dans le. et euh, à sa gauche. Et du coup, on pourrait dire que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on pourrait faire. Euh, ETH0, ETH1, ETH2, ETH3. Remarque, non, parce qu'en en fait, ces interfaces-là, elles sont un peu spécifiques, vu que c'est pour sortir. pour que le lab sorte sur Internet. Et si je fais plutôt. Euh, Hmm... Ah ça va être... Euh... Alors si j'oublie ces interfaces-là, si l'espace d'un instant j'oublie qu'elles sont là, ce sera toujours ETH0, et si je fais ETH1 à gauche, ETH2 à droite... Parce que le truc, le truc, en gros là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc si je faisais interface 1 ici, euh, ça fait que lui ce serait l'interface 2. Et à ce moment-là, dans les deux cas de figure, ce serait l'interface 3 ici, ETH 3. Ça, euh, ça peut se paramétrer. On va tenter, on va tenter comme ça. Allez. Euh, ici, on a un Apply. Donc maintenant, on va mettre un Destroy. Hop. Voilà. Donc, j'ai tout détruit. Les VM sont parties. Voilà. Elles sont plus là. Et d'ailleurs si on regarde dans mon Virtual Machine Manager, il y avait juste mes deux machines qui ne font pas partie du lab. Euh... Alors, ça c'est la partie Cloud Init pour les interfaces réseau. Il va falloir qu'on commence par regarder dans notre code euh, Terraform où est-ce qu'on a des interfaces. Donc, celle-ci c'est la ETH 0, celle-ci c'est la ETH1. On aurait une ETH2 et une ETH3, a priori. Euh, si je me dis... Je me dis que je mets... Euh, si je reprends mon schéma et que je dis... ETH0, ETH1, ETH2. Et celle-ci, ce serait ETH3. Euh, ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va en commentaire dans le code, dire, préciser ici, ETH0. Hop. Histoire de comprendre. Voilà. Donc celle-ci, ce serait ETH1. Celle-ci, ce serait ETH2. Et celle-ci, ce serait ETH3. Ce qui veut dire que mon ETH0, donc celle-ci, elle est toujours dans ce réseau-là. L'ETH1, elle serait dans le réseau ISP1 vers ISP2. Et ça... Hop, on a la liste des networks ici. Et ISP1 vers ISP2 existe. Et on a aussi ISP1, ISP6 qui existe. Qui est ce lien ici. Et on va peut-être créer le ISP2, ISP3. Tiens. Hop. ISP2, ISP3. On va peut-être le mettre juste ici. Euh, et ensuite, ce qu'on va peut-être faire, c'est. Hop, ici. ISP3, ISP4. Voilà. ISP4, ISP5. Voilà. Et ISP5. ISP6. Et du coup, celui-ci, ça devrait peut-être être plutôt... ISP6, ISP1. Voilà. Euh, et donc on a euh, tous, nos, euh, tous nos principaux subnets d'interco. Enfin nos réseaux d'interco. Euh, ce qu'on peut faire euh, maintenant, c'est... Euh, Hop, on va revenir ici. Et donc je disais que ce serait ETH3 qui serait euh, finalement l'interface euh, interface vers le default. Et donc la ETH1, elle va aller, on a dit, on a dit ETH0, ETH1, ETH2. Donc la ETH1, elle va, vers, elle va dans ISP1, ISP2. Hop, ISP1. ISP. Là. -isp1 -isp2 et la eth2 elle on a dit qu'elle faisait ISP6, isp6 -isp1 et elle par contre la eth3 elle est sur la default mais si jamais je fais ça comme ça que je déploie mes vm rebonsoir à toi manon si je, si je démarre comme ça sur mes VM, eh ben, euh, ça va poser un souci parce que dans les confs précédentes, on avait dit que c'était ETH1 qui permettait de sortir. Et donc là, on va se retrouver avec un problème c'est qu'on aura une interface qui sera mal configurée. Donc je vais revenir ici et puis eh ben, on va se faire un petit, euh, faire un petit euh, truc. Donc le outside, celui qui est l'actuel euh, enfin, ETH1, va devenir ETH3 s'embêter on va remplacer tout ce qui est ETH1 par du ETH3 voilà donc ça ça c'est pas mal euh, ensuite euh, ce qu'il va falloir que je fasse c'est que je rajoute euh, je rajoute un ETH 2 et un ETH1 donc Hop. Donc ETH2. ETH2 son adresse. On l'a vu dans le euh, hop. Elle est. Alors ETH2. Ah oui c'est celle-ci. On est dans le réseau 10.6.1.0. Donc on l'a dit. 10.6.1.0. Donc du coup on va mettre ici en point euh, on enlève le DHCP et là on va l'appeler euh, ISP6, ISP1. Et ensuite euh, et ensuite eh il bien, faut bien penser à remettre ici le TH2. Et ensuite on va faire pareil avec le TH1. Hop. Oula. Euh, où est-ce que j'en étais? Ouais, ETH2. Hop, on copie, on colle. Et. Et qu'est-ce qui se dit sur le chat? Que ce soir, Manon, pendant ce temps, elle met en route son serveur Proxmox. Bon courage, Manon. Ah, il te manquait un câble réseau! Ah, ça, c'est dommage. Et ben bah, heureusement qu'il a fini par arriver. Tu pouvais vraiment pas faire sans ce câble réseau euh, et ce réseau là le th1 on a dit que c'était euh, ce réseau là donc 10.1.2.0 donc 10. hop là 10.1.2. et du coup lui ce sera le point 1 et ici ce sera isp1, isp2 donc là normalement si je redémarre mon binou euh, oui, un mètre de câble n'était pas suffisant pour suivre le chemin de câble. T'as dû trouver un 2 mètres. Ok. Ok. Oui, c'est vrai que t'as pris la peine de faire un chemin de câble un peu propre. Je, je ne peux pas en dire autant de mon côté. Euh, bon, bah je crois qu'il n'y a plus qu'à tenter notre chance. Hein. Donc on est ici. Et puis bah, on va refaire un petit apply. Hein. C'est parti. Croisons les doigts. Alors, d'ailleurs, au passage, euh, si je reviens ici, euh, non, hop, plutôt ici, que je fais un petit sudo virsh list, donc on voit pour le moment qu'il n'y a que le routeur qui tourne, mais surtout si je fais un sudo virsh net list, on peut voir que tous mes réseaux ont, euh, ont été créés. Et si jamais je fais un net, euh, je crois que je peux faire un net edit de par exemple ISP3 et ISP4, on remarquera que euh, le réseau n'a pas de DNS, n'a pas d'adresse IP. Alors, vu que ça crée des bridges au niveau de Linux, les réseaux virtuels dans Libvirt, eh bien, on a une adresse avec une. Enfin, on a une interface avec une adresse MAC, ce genre de choses-là. Euh, voilou. Alors, pendant ce temps. Ah oui, il est en train de faire le slip. Euh, donc, ici, je peux revenir normalement. Voilà, on le voit en train de tourner. Alors non, pour le coup, je ne les spécifie pas. Elles sont, euh, elles sont, euh, comment dire, elles sont mises, euh, voilà, elles sont mises au hasard, elles sont mises en, en, aléatoire. Euh, je pourrais, si je le souhaitais, je crois, les, euh, les mettre, euh, comment dire, les mettre en dur, mais je n'ai pas fait ce choix parce que, bah, dans l'immédiat, j'ai aucun intérêt à les mettre en dur, en fait. Je pourrais, hein, je pourrais me dire tiens je vais faire une convention euh, du genre euh, les, les derniers euh, les derniers euh, si je refais un petit euh, genre les derniers trucs ici correspondent à euh, aux, euh, aux intercos des différents réseaux mais honnêtement euh, et euh, bah en fait c'est ça c'est des bridges en fait à ce niveau là là c'est des bridges euh, et c'est justement ce qui va servir de switch euh, par contre, euh, je pourrais effectivement, pour faire par exemple du DHCP avec des, euh, des, euh, des baux euh, permanents sur des adresses MAC, je pourrais spécifier des adresses MAC à des, euh, à des VM. Euh, je pense d'ailleurs qu'à un moment, je vais y arriver. Je, je, ne, je, ne, comment dire, je ne mettrai pas des adresses MAC en dur pour les trucs du genre... Euh, les, euh, les routeurs, les VPS, les trucs comme ça. Mais peut-être qu'à un moment, quand on arrivera sur les genres, les, 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 euh, les trucs pour simuler, euh, simuler des, des, accès, euh, des accès domestiques, euh, je ne serais pas surpris de, euh, de faire ce genre de choses. Bien, où en sommes-nous Apply complete. Euh, donc là, on a le routeur qui est démarré. Si je reviens ici et que je lance ça... Là, il y a Cloud Init qui est en train de travailler. Voilà, il est en train d'installer euh, les petits paquets, euh, fail to ban euh, ansible, git. Euh, si je me connecte ici et que je fais payer un petit euh, show interface, un euh, euh, show interface. Hop. Donc on peut voir que j'ai un ETH0 inside, un ETH1 ISP1, ISP2, un ETH2 ISP6, ISP1 et un ETH3, donc tout va bien, tout va bien, nickel, parfait, parfait, parfait. Ah oui, quand on fait un détail, en fait, il montre, euh, ouais, il montre le IP, euh, il fait un IP à chaud quoi. Oh, et j'ai même les RX et les TX, nickel, hein. génial. Salut à toi, Rancune! Euh... Alors, donc ça c'est plutôt cool. Euh, Jusque-là, on s'en sort plutôt pas mal. Euh... Jusque-là, on s'en sort plutôt pas mal. Et donc, ce que je vais peut-être faire, euh, c'est. Alors là, j'ai ma. Hop! Il est en train de finir. Là, allez! Hub, hop. On a dit la base code Et puis si je fais un petit git status On a On a trois fichiers modifiés Et puis si je fais un petit git diff Donc j'ai rajouté des interfaces Hop Et bon, on va faire un petit euh, Alors Git commit-a Oh euh, non on va peut-être faire un truc propre Git euh, status On va faire un petit git add et on va rajouter les fichiers. Voilà. Et puis un petit git commit avec un message propre. Allons-y. Donc on est dans Terraform. Euh, ah non, c'est pas du du Terraform. Euh, comment est-ce que je vais m'y prendre dans ce cas-là euh, Bon on va dire... Euh, ISP1 reorder. Euh, nick, hop. Euh, and add euh, missing. Euh, virtual net hop. voilà comme ça au moins ça déjà c'est commuté euh, maintenant que voilà il a fini voilà je vais encore prouver qu'il accède à internet hop donc ça c'est bon il accède à internet en tout cas il sort sur internet. Puis je suis un petit host, hein, cette fois-ci on va dire gcu.info Ah non host c'est vrai qu'il l'a pas, faut que je ping euh, Il a fait la résolution Et s'il si, l'a Voilà euh... Ok donc là on est bon Bah je pense qu'on va peut-être pas tarder à se à créer du coup le deuxième, euh, la deuxième partie euh, sans oublier le DNS parce que là pour l'instant j'ai que cette machine là donc on va peut-être commencer par ça on va créer cette machine donc pour créer cette troisième machine eh ben, en fait euh, ça va être relativement simple hein. on va se dire qu'on va principalement faire un peu de copier-coller et ce copier-coller en fait il va démarrer là hop on va prendre tout ça je pense Hop, on descend. On colle. Et au lieu de l'appeler ISP1 VPS1, on va l'appeler ISP1 DNS. Euh, peut-être même juste NS1. Ou DNS1. Ah remarque, je vais peut-être mettre DNS1, parce que comme ça, je vais garder le même nombre de caractères. Même si je. ne je, je sais pas si je vais finir par parser ces trucs, mais bon. Juste pour le. Pour... Pour, pour être... Hop. DNS 1. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici Et bien là, le CloudInit A, ah, il faudra penser au CloudInit. Donc, ça, c'est bon, on sera dans le bon réseau. Là, on est bon aussi. Et ici, le volume ID, bien entendu, il faut penser à le changer. Ce qui veut dire qu'il va falloir penser à créer la partie CloudInit et, euh, et le volume disque. Donc, on va remonter tout là-haut. Hop et on a quoi On a ici une ressource pour un VPS. Hop, on va la copier, on va la coller, voilà. Et on va dire que c'est une ressource pour le DNS. Hop, ici aussi DNS. Hop, donc c'est toujours dans mon pool d'images. Ok et ensuite ici on a La partie volume cloud init alors euh, je rassure terraform c'est pas toujours aussi facile il n'y a pas qu'à euh, qu'à dupliquer des ressources d'ailleurs j'en profite pour signaler que je, je duplique des ressources ce qui est euh, d'un point de vue je dirais programmatique euh, complètement débile Enfin, euh, quand, euh, quand vous avez un truc qui crée, par exemple, je ne sais pas moi, une chaîne Toto, et que vous voulez, et que vous voulez créer une chaîne Tata, euh, vous n'allez pas juste dire euh, créer une chaîne Toto et en dessous créer une chaîne Tata. Vous allez vous dire, ah tiens, peut-être que si je, je crée une chaîne Titi, à la fin, je vais peut-être vouloir faire une boucle qui, euh, qui va dire, eh ben je prends euh, Toto, Tata et Titi, et puis je les crée les uns à la suite des autres. Mais pour l'instant, on, on va rester un peu simpliste. Et il me faut d'ailleurs les metadata aussi pour tout ça. Donc on copie tout ça. Hop. Et ici, DNS. Hop. DNS. Voilà. Donc là, déjà, la partie Terraform, elle m'a l'air OK elle m'a l'air ok, euh, je suis euh, en capacité normalement de créer la troisième VM. C'est bien. Mais c'est pas suffisant. Hop. Cette fois-ci, euh, la partie euh, Cloudinit. Alors, euh, pop, 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 pom, je vais aller voir dans un autre... Euh, bah, je vais me mettre ici. On va revenir là. Donc là, Cloudinit. Et on va faire un petit truc en mode... Euh, en mode feignasse, hop, et on va faire ISP1, DNS1, j'ai dit DNS1, voilà, et euh, ah il m'a tout créé, alors RM, hop, déjà ça, ça dégage, et ça, ça dégage aussi, hop, et on va tout de suite regarder ça, que là c'est très simple 2 points hop pour son s on dégage vps 1 pour remplacer par dns 1 alors je pourrais être un peu plus optimisé mais c'est pour être sûr euh, une fois que j'ai vu ça je peux y aller ici et faire un deux points edit de mémoire non non c'est pas ça euh, 2. .1. je crois que c'est tab new Hop, voilà. Euh, je vais peut-être le euh, le mettre. Euh, je vais mettre ici. Je ne sais pas si je peux réorganiser les tabs dans, euh, dans, euh, dans Vim. Donc bon, j'ai préféré refermer le tab et euh, et en ouvrir un après. Euh... Edit. Alors, euh, ISP1 euh, DNS1 slash, euh, on a dit euh, user-data new directory. Euh, oui, ou pas, visiblement. Euh... Alors, je vais faire ma feignesse du coup. Hop. Voilà. Euh, normalement, ah tiens, j'ai pas le. Un ls de tout ça, Et il m'en donne que deux. Tiens, où est-ce que j'ai créé mon truc là? Euh... j'ai bien ISP1 DNS, ah, IPS, ah mince, c'est pour ça. Voilà, On va quand même vérifier maintenant ouais c'est mieux voilà <laughs> voilà pourquoi il me le trouvait pas dans euh, dans vim hop voilà donc là ça on est sur le routeur le routeur 1 euh, non on n'est pas sur le routeur 1 là euh, ça c'est quoi parce que du coup en haut je suis un peu perdu Ah, il me met d'abord le DNS. Ok. Alors je, ce que je vais peut-être faire, parce que j'ai envie d'avoir les choses dans l'ordre qui m'intéresse. Je veux d'abord le routeur. Ensuite le DNS. Et enfin le VPS. Voilà. Donc là on est sur le DNS. <coughs> Donc je veux toujours mes trucs comme ça. Je veux toujours mon fail to ban. Euh, j'ai plus besoin d'Ansible. Je vais quand même garder Git. Euh, la machine. Elle va avoir comme IP 53 voilà et pour le moment pour le moment on va lui mettre comme euh, bah on a sa gateway on a sa ah bah non 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 attends euh, le dns pour le moment on va laisser 1 même si après dans l'absolu ça va devenir 127.001. par contre c'est ici c'est pas 101 ce sera 53 voilà et donc euh, le git clone de euh, la base code euh, on s'en fiche. Voilà. Et ici, final message, ISP1, hop, Dns1. Voilà, donc là déjà, normalement. Ouais, là c'est bon, c'est le VPS. Et là, c'est le VIOS. Ok. Donc maintenant, je peux revenir ici. Et... On peut faire un petit apply. Et il me manque un truc. Il me dit que sur la ligne 36, ISP1 DNS1 metadata has not been declared in the route module. et ben on va aller vérifier ça. Pop, euh... pop, 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 ISP1 VPS1, ISP1 DNS1, ISP1 router 1, ISP1 router 1, ISP1 VPS1. Enfin, peut-être que je les mette dans le bon ordre, hein, tout ça. Euh... Alors, metadata, visiblement, il me manquerait. Ah, ok. <laughs> il y a une typo. Hop, il y a eu deux S. Voilà. ISP1, DNS1. Ok, on est bon. Allez, c'est reparti. Ouais, c'est reparti. Allez. Euh, il a été rapide à me faire un apply. Euh, oui, c'est vrai qu'il est rapide. Euh, donc... Ah mais c'est parce que j'avais déjà un apply. J'avais déjà, déjà fait un apply. J'avais pas fait un destroy. Donc là, en fait, il n'a fait que rajouter... Il n'a fait que rajouter la dernière VM. C'est plutôt cool ça. Pour une fois qu'on profite de Terraform bien comme il faut. Euh, donc là, si je regarde mon truc... Euh, ISP1, DNS1, Running. Donc, si je vais 4, 5, allez, on va se mettre ici sudo virsh list. Donc, j'ai bien mon ISP1-DNS1. Euh, mais du coup, si jamais j'ai envie que tout soit avec le même formatisme, il faudrait que je fasse RTR par exemple au lieu de routeur. Qu'est-ce que vous en dites sudo-sh console. Hop. Nilsa. Un petit mot de passe. Et euh, on peut voir qu'il est en train de. Ah, Le guide incorrect. Il n'a pas encore tout mis dans. Voilà. Là, il est en train d'installer. Il est en train d'installer tout ce qu'il faut. Notamment. Notamment. Notre fail to ban. Qu'est-ce que vous en dites Est-ce que je devrais renommer euh, routeur, euh, les routeurs euh, RTR plutôt Pour avoir les, euh, les noms des, euh, des machines qui soient bien. Euh, tous, euh, tous avec la même longueur. Il <laughs> n'y en a pas un qui dépasse. gentiment attendre voilà si je mets Niels oui voilà le name FQDN ah tiens j'ai pas de RPR oh non 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 <laughs> sinon oui pour RTR ok après, euh, si on a un autre, euh, une autre idée que, euh, que RTR, euh, moi je, je prends. Hein. Enfin, je prends. Je suis prêt à en discuter en tout cas. Euh... Ouais, J'étais en train de me dire là, le hostname en moins FQDN, euh, il n'a pas de nom de domaine le truc. Est-ce que je pourrais pas essayer de. Euh, comment dire De, euh, de corriger ça R2D2 <laughs> Ouais, mais du coup, ça fait 4 caractères, Manon et, euh, et j'en voulais que 3. Parce que quand je fais un... Euh, euh, ah, du coup, là, si je fais un sudo virsh list, tu vois, en fait, c'est parce que là, Router1, ça dépasse par rapport à VPS1 et DNS1. Donc... Euh, vous voyez, ou alors, je mets RO1. Hein. RO1, RO2. Euh, non pas RO, ROU. ROU1, ROU2. Euh... Alors. GW1. Euh, ben GW ça fait deux, euh, deux lettres. Et pas trois. Euh... Hop. Parce que tu vois, j'ai trois lettres. Un chiffre. Gat. <laughs> C'est une idée. C'est une idée. Euh... Où est-ce que j'en étais moi Oui, j'étais en train de me dire, ma machine, elle n'a pas de... Si je suis, si je suis sur un snipe fqdn. Euh, non, pas FA, FQ. Voilà. Ouais, effectivement, je ne pas mis de nom de domaine. Euh... Alors, est-ce que ça ne serait pas dans les... Euh... Dans, cl dans Cloudinit, dans les metadata. Hop On va aller regarder ça. On va aller chercher ça, tiens. Hop Allez. Cloudinit documentation. Metadata. Hop Gateway <laughs> Alors. Euh, si je cherche hostname, hop là. Update hostname. Euh, ah, il y a un set hostname aussi. Voilà. Module référence. Update hostname un FQDN. Uh -huh. Donc je peux mettre un FQDN directement. Ok, hmm. on va peut-être tenter ça. Euh, alors peut-être pas ici. Alors, hop. Parce que Cette machine-là, pour l'instant, le système, elle a un système hostname, mais ça pourrait être intéressant de voir si on peut lui mettre un fqdn à l'occasion. Faudra que je vois comment je peux jouer avec ça sur iOS. Et ici, on est donc sur euh, sur le DNS. Et où est-ce qu'on peut mettre ça On peut le mettre comme ça. Ok, allez, on va le mettre ici. FQDN. Et on va lui dire que ce sera ISP1 euh, DNS. Je dis DNS1. Alors, le truc, ce que je suis en train de me dire, c'est que. Euh, c'est qu'en fait. Euh, J'hésite à un truc c'est de faire ISP1.example.com. En fait sauf que du coup on va se retrouver avec encore le nom de l'ISP ici alors que je l'ai déjà dans le hostname. Alors ce que je pourrais carrément faire, c'est faire dégager la partie euh, ISP du, euh, du, euh, du nom de la machine. Après, si je vous remontre un petit peu mon schéma, dans l'immédiat, la seule chose qui m'importe est est ce qu'on a envie d'avoir est ce qu'on a envie de se casser la tête à gérer des sous zones enfin des sous zones façon de parler je pense que de toute façon tout ira dans euh, tout ira dans la zone example.com mais euh, parce que je, je prévois honnêtement je prévois pas forcément de rajouter plus de dns que ça le but de ces dns ils sont juste là pour pouvoir euh, comment dire contrôler quelque part le, euh, le trafic et potentiellement pouvoir pouvoir faire faciliter certains trucs juste pour avoir des noms d'hôtes euh, bah, d'avoir euh, j'ai envie de dire euh, classique quoi avec des euh, avec un nom de domaine Donc je pense que je vais peut-être rester juste sur... Euh... Hop, je vais peut-être pas... Euh... De toute façon, je pourrais toujours changer d'avis après. Hein. Je tentais de dire. Donc je vais peut-être mettre ça. Hop. Et ici... Hop. Et ici, ce sera VPS. Hop là. Voilà. Ok. Donc, ben maintenant que j'ai changé ça, on destroy. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire tout de suite dans la foulée on destroy et on apply. En mode T'occupes, je sais ce que je fais. Et c'est là que ça devient amusant, c'est que là on a... Là, il reste deux VM. Voilà, elles sont parties. Rien dans les mains. Rien dans les manches. Là il n'y a rien. Là il n'y a rien. Et on va avoir une première VM. Et 60 secondes plus tard, on va en avoir deux autres qui vont popper. Alors, à noter que je, euh, je, créé, euh, je crée les deux VM en même temps. Les deux autres VM, je les crée en même temps. Est-ce que ça serait euh, intéressant qu'elles soient vraiment en full séquentiel Bon, on pourra voir ça plus tard. Je pense que, je pense que ça va devoir être le cas. Hein. Mais on pourra voir ça après. Enfin, après. Peut-être pas forcément ce soir. Alors. je mets ici ISP1 ISP1 routeur 1 hop là 5 au lieu du routeur on va te mettre ISP1 euh, bah DNS1 hop hop allez démarre 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 non toujours pas toujours pas euh, pff, Allez, non. Voilà, c'est la soirée des typos. Et ici, VPS. Là, les trois machines ont démarré. Ça commence déjà à bosser. Lui, il est connecté. Lui, il est en train de finir de pousser sa conf. Donc tout va bien. Et alors le roulement de tambour, c'est ce qui m'a créé mon login. Oui. Ah, il n'y a pas fini. Ok. Alors, est-ce que je peux lui dire juste domain name euh, Hostname-d. example.com. Ok. Ok. Nickel. Parfait. Et dans, Non, pas le resolve.conf. C'était ETChost, je crois. Euh, si, avant... Alors, historiquement, c'était dans resolve.conf que je voulais regarder pour avoir le, euh, le, voilà, le name server et le, euh, le domaine. Mais là, vu qu'on est avec système D, euh, du coup, il faut utiliser resolvectl. Allez. Dépêche. Voilà. Termine. Cloud init. C'est l'inconvénient d'être sur la console locale, en fait. Hein. Euh, et donc, resolvectl. Hop. Et il me dit bien DNS domain, ISP... ISP1.example.com. Ah bon! Est-ce que le DHCP aurait pas. Euh... Euh, non, ça c'est. Euh... Hop! Est-ce que je lui avais pas mis ISP1.example.com? Si, je lui avais mis ISP1.example.com. Ok. Euh. Bah, je vais peut-être juste mettre example.com alors. Hop, et de l'autre côté, là, normalement, il a fini le EPS. Voilà, hostname. Effectivement, si je fais un resolve CTL, effectivement, euh, il me dit DNS server, ok. Ah, tiens, là par contre il me. Ah si, euh, non, attends. Putain, il me, il me dit pas là. Euh, si je reviens ici. Que je fais résolve CTL. Non, là j'ai rien. Oh, attends, je vais remonter parce que c'est quand même chelou cette affaire. Ah, Est-ce que c'était pas peut-être qu'il était en DHCP Link 2 TH0. Ouais, je devais encore être en DHCP et du coup il m'avait... Euh... Ok, bon ben bah, au moins ce sera modifié. Donc ça c'est plutôt cool et euh, visiblement ce soir je suis motivé pour, euh, pour commiter mes trucs. Hop, alors, git add. Ouais. Oh, oula, Ouais, ok, ceux-là sont ignores. Ok, cool. Euh, donc, on va rajouter ça, on va rajouter ça. Euh, bah non, pas le routeur. Hop, juste le. Alors déjà, je vais rajouter euh, ça aussi. Alors je fais un git commit. Donc isp1 add et donc isp1, isp1, dns1 euh, virtuel serveur. Voilà. Et ensuite. Là, on a le FQDN. Hop. Donc on va lui dire... Euh... Pas s'embêter. Voilà, et ensuite le dernier, hop, et on va lui dire euh, ISP 1, routeur 1, et on va lui dire euh, fixe euh, DNS, euh, euh, DNS zone, hop. Voilà, donc là au moins comme ça, ça avance. Et on ne perd rien. Euh... Ben maintenant que ça c'est fait, on va peut-être attaquer ISP2. Hein. On va peut-être attaquer ISP2. Ce qui veut dire qu'en gros... Dans l'immédiat, ça veut dire que dans ma partie Terraform, pour l'instant, j'ai un ISP1 compute, j'ai un main, ai... Donc en gros, les networks et le main, ça c'est commun. Euh, par contre, on va avoir ça qui va être par ISP. Donc je fais un CP-VP2 mon, ISP, mon ISP1, et on va aller le mettre dans l'ISP2. Hop. Et donc mon ISP2 compute. Ici, tout ce qui est ISP1, je le remplace par ISP2. Enfin, presque. Presque. Parce que là, actuellement, j'ai euh, des trucs qui vont être en ISP euh, au niveau des sous-réseaux. Donc s'il me remplace tous les... Euh, Euh, alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, hop, 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 voilà, pour l'instant. Et ensuite... Voilà. Ensuite, on a euh, les VPS. Le VPS, dans notre cas de figure, sur ce, euh, ce réseau-là, on s'en fiche. Donc, ça... ça dégage routeur routeur hop vps hop ça dégage dns routeur vps ça dégage il y a un peu de routeur OK hop là on va pouvoir mettre maintenant eth0 ce sera donc isp euh, isp2 net1 ici sur le eth1 si je reprends mon schéma, euh, on avait dit ETH0, ETH1, ETH2. Donc là, je suis en ETH0 ici, ETH1 ici et ETH2 ici. Donc là, ETH1, ça va être ISP2-ISP3. Donc ici, ce sera, hop là, voilà, ISP2-ISP3. J'ai dit tiré. Le TH2 ce sera ISP1, ISP2. Et le TH3 ce sera donc le réseau default. Hop. Donc là, j'ai euh, la partie Terraform. J'ai la partie Terraform. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Presque. Et effectivement, ISP2Net 1, là il est bon. Ok, donc la partie Terraform, elle est gérée. Voilà. Petit copier-coller. On taille un peu dans l'art. Et ensuite, on, euh, on, euh, comment dire, on, euh, on fait quelques petites substitutions. Tout va bien. Maintenant, maintenant il va falloir euh, jouer avec euh, la partie, euh, partie Cloud Init. Et dans la partie Cloudinit, à hein, fort que je fasse un petit cp-rvp2 euh, euh, donc dans Cloudinit bah, du, du routeur, voilà. Dans, euh, bah, dans le répertoire Cloudinit et on va l'appeler isp 2 routeur 1 voilà. Et on fait pareil avec isp1dns1 dans isp2dns1. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, euh, c'est tout de suite commencer par modifier les metadata. Alors, je pourrais être encore plus, euh, comment dire, euh, encore plus euh, optimisé et, euh, et y aller à grand coup de SED. Tiens, je vais essayer comme ça, d'ailleurs. Allez, SED-I-E. Euh, je vais peut-être me hop, mettre un peu plus haut. Donc, donc, si je fais un petit sed, euh, j'ai dit moins i moins e. Euh, donc on va dire s. On veut remplacer isp1 par isp2 euh, et on veut le faire tout le temps dans tout le fichier. De isp2 euh, dns ah dans Cloudinit. ISP2 euh, DNS1 étoile. Voilà. Et ensuite, on va faire ISP. Je vais peut-être tenter. Tiens, ISP2 étoile. Comme ça. Voilà. Et maintenant, si je fais un petit, euh, petit VI euh, de Cloudinit, ISP2 euh, VPS1 metadata. Ah non, pas VPS puisque je mets DNS1. Metadata là il est bon et si je fais user data bah, si je fais user data il est bon nickel par contre par contre j'ai aussi les adresses IP j'ai par contre les adresses IP salut à toi la Terluse bienvenue alors je reprends mon euh, mon fichier avec le euh, le schéma et donc là où ici j'avais un 10.1.1, là j'ai un 10.2.1. Donc on va refaire notre petit, euh, petit sed. Et ce qu'on va lui dire, c'est que tout ce qui est en 10.1.1, ouais, on va le remplacer en 10.2.1. Notre regular file... Ah oui, c'est parce qu'il me manque une étoile. Voilà. Et donc, maintenant, si je regarde à nouveau euh, dans mon user data, là maintenant, il me dit bien 10.2.53. 10 On va peut-être regarder aussi le, le routeur, parce qu'à mon avis, le routeur, ça va être comique. Ouais. Hein. Alors, ISP... Tiens, il m'a pas mis de... ISP2, routeur 1. Euh, tiens, lui, juste pour la blague. Hop. On ne va pas le mettre sur le même... Donc il est toujours en 100... Alors il ne sera pas en 122-101, lui, il sera en 102-102. Sinon ça va faire du conflit d'IP. Euh, outside, on ne sera pas dans ISP6, ISP1. Euh, alors le th 2 le th 2 Alors, ETH3 c'est outside. Ouais. Si je reviens ici, ETH3 c'est outside. ETH2 c'est ISP1, ISP2. C'est ISP1, ISP2. Euh... J'avais dit, dit, dit que j'allais dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, ça c'est ETH 0. Ouais, ça c'est ETH1 et ça c'est ETH2. Donc ISP, ISP1, ISP2. Et donc ISP1, ISP2, ça veut dire qui là en adresse il est en adresse 10.6.1.2. Ouais. Est-ce que je ne me serais pas planté. Je vais me faire quelques petits. Hop. ETH3. ETH2. Hop. ETH1. ETH0. Donc déjà l'ETH0 elle est bonne. La ETH1. ETH0. ETH1 ce sera 10.2.3. Hop 10.2.3 et comme c'est le réseau ETH ISP2 ISP3, ça on est bon. Et là c'est bien ISP1, ISP2. Et donc du coup ce ne sera pas en 10.6, ce sera en 10.1.2 et .2. Et si jamais je veux vérifier, euh, on va faire un petit vim-p. Hop. Et on va lui dire qu'on va aller regarder l'autre routeur à côté aussi, histoire de les comparer. Hop. Alors, là j'ai le routeur 1. J'ai le routeur 1, puis je vais faire pareil ici. Je vais hop, sauter une ligne après chaque interface. Voilà. Et donc si je repars de base en haut, donc 10.1, 10.3 fois 1. Hop là. Et là, j'ai 10, 2, 1, 1. OK. Ensuite, 10, 10, 1, 2, 1. 10, 2, 3, 1. Et là, j'ai 10, 6. Et donc, la ETH1 ici correspond à la ETH2 ici. Ce qui est logique. OK, nickel. Nickel. Alors, je, je pense que j'ai été un petit peu... Euh, un petit peu... Euh un petit peu rapide donc en gros si je suis ici ETH0 ETH1 ETH2 et ces interfaces là je les considère en après et là eth0 eth 1 eth 2 ça va être bon et donc quand je ferai ISP3 ici ce sera ETH0 ici ce sera ETH1 et ici ce sera ETH2 ok et ainsi de suite. E Eth0 ici, Eth1 ici, Eth2. Eth0 ici, hop là. Eth1, Eth2. Paf, paf. Voilà. Ok, c'est bon. Ok, donc ça, c'est cool. Euh. Si je regarde maintenant le, euh, le user data de celui-ci, eh bien, euh, globalement, on a le 10.2.153, 10.2.1, ok. Pour le moment, c'est vrai qu'il aura, euh, voilà, 10.2.1 comme DNS, ok. Très bien, donc dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que ces deux routeurs-là vont démarrer en même temps quand je vais lancer mon Terraform Apply, et 60 secondes plus tard, il y a lui lui et lui qui vont démarrer euh, donc ça c'était le terraform le code terraform là c'était le cloud init. et là j'ai hop mon destroy et mon auto approve pour le moment je suis ouais je suis comme ça et ben, je vais faire le destroy et l'auto-approve ou alors je fais juste le apply hmm. Parce qu'a priori, j'ai rien changé côté. Euh, allez, je vais faire juste le apply. Bon, allez, il veut. Hop là. En faire juste le apply pour le LOL. Ah, tiens, il y a un souci. Euh, le slip 60 secondes a, a déjà été déclaré dans ISP compute. ISP1 compute. Et elle doit être unique pour chaque module. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais peut-être faire. Je vais revenir ici. Je vais aller dans mon main.tf, en fait. Je vais copier mon. Euh, alors, elle est où ma ressource de slip Elle est là. Ouais, mais elle, elle dépend en fait. Ah, fichtre. Fichtre, fichtre, fichtre. Ouais, en fait, elles ont... Euh, ok. Euh... Et ouais. Ok. Donc, euh, ce qu'on va peut-être, c'est qu'on va peut-être la, la faire. Euh, comme ça. Ou alors. Alors. Manon tu disais on doit voir quoi comme problème. Excellente question. En gros. En gros, si je reviens ici, tu vois, il me dit, au fait... Il y a deux ressources qui ont le même nom. Il y a un conflit sur le nom euh, Timeslip. Enfin, pas sur le nom Timeslip. C'est qu'en fait, il dit qu'il y a une ressource de type Timeslip qui existe deux fois. Et parce qu'elle a le nom Slip60S. Tu vois, une, une ressource Timeslip nommée Slip60S est déjà déclarée dans un autre fichier. Et donc, euh, c'est ennuyeux. Euh, alors, ce qui se passe, c'est que dans mon cas de figure ici, ma ressource TimeSlip, elle dépend, elle dépend ici de l'ISP1 Router1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste lui dire, je vais changer le nom de la ressource. Et en dessous, là, sur la dépendance, je vais changer le nom de la ressource aussi. Après, euh, je me demande s'il n'y aurait pas moyen... Euh... Oui, le plus simple, c'est changer de nom. Maintenant, en fait, si jamais j'avais voulu essayer d'avoir une seule ressource euh, slip, euh, est-ce que j'aurais pas euh, tout fait dépendre du premier routeur Mais c'est, non, c'est casse figure. Remarque, tu me diras, les deux routeurs démarrent en même temps, ils seront à peu près prêts en même temps, à peu près. Donc, si jamais lui devait attendre que lui soit prêt, ce serait pas gênant. <laughs> de faire la semaine <laughs> des conseils oui bah oui ça je me doute <laughs> oui 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 alors euh, dans ce cas là ce que je vais faire je pense que je vais changer juste le nom et ici on va mettre isp1 alors isp1 underscore et on en a un deuxième ici et ça revient ici ok allez on va aller ici et on va l'appeler ici ISP2. Hop. Ici aussi. Et ici aussi. Voilà. Là, ça devrait être mieux. Non. Euh, référence à une ressource non déclarée. Tiens. Uh, ISP2 VPS1. Alors, on va retourner ici. ISP2 VPS1. Ah bon? Uh, routeur, routeur. Ah bah de toute façon c'est très simple. Hein. Allez, hop. slash VPS. Alors, donc a priori le VPS, on s'en fiche. Hop. Voilà. Et le DNS, il est là. Ok. Donc là, ça devrait être bon. Enfin, j'espère. Puisque c'était que des ressources sur le VPS. Et le VPS, on n'en fait pas sur ce ISP-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit Ah oui, il détruit l'ancienne la... euh, ressource de... de slip. Ok. Mais là, normalement... On va remonter. On va remonter gentiment. <laughs> il, en... il en raconte des choses. Hein. Hop. Alors... Les objets ont changé en dehors de Terraform. Ok. Euh... Ok, bon on verra bien ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qui nous fait ah, il a remplacé les disques de Cloud Init. Parce que j'ai fait des... Euh, ah, c'est parce que j'ai rajouté des espaces. Ok. Et que j'ai changé le, euh, le domaine, ok. Donc ça, il est pas content, ok. Et ensuite, il crée toute la partie euh, ISP2. Donc là normalement maintenant que je regarde mon virtual machine monitor, j'ai bien ISP2 DNS1 et ISP2 routeur1. Donc là avant j'avais mon ISP1 routeur1, si je viens ici ISP2 routeur1 qui est encore en train de démarrer d'ailleurs. Et donc on va pouvoir commencer à vérifier si si si, si nos deux routeurs communiquent ensemble. Vous savez ce que ça veut dire si on a deux routeurs qui communiquent ensemble Vous savez ce que ça veut dire À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire on a, cré... on a créé un réseau. Euh... Mais encore Manon. Oui, techniquement, techniquement ce que tu dis, euh... ils peuvent se pinger. Oui, tout à fait. Ils peuvent se pinger. Euh... Donc on va pouvoir commencer à faire un ping de, euh... enfin, c'était pas le show configuration, c'était le show interface que je voulais. Voilà, on va pouvoir faire un ping de euh... 10.1.2.1. Et on peut faire du routage, oui C'est là où je voulais en venir, maintenant. on peut faire du routage. Euh... Et pourquoi je mets slash24, maintenant, dans mon truc Ah non, non, il n'y avait pas une blague il n'y avait pas de blague, mais ça veut dire qu'on va pouvoir faire du routage. Hop là. Eh ben, merci pour ton first time chat, euh, Dux. Et on va, on a relié deux réseaux différents. Alors, pour le moment, pour le moment, tout ce qui se passe en termes de euh, entre guillemets de routage, c'est juste qu'on a du nat. C'est juste qu'on a du NAT, pour, les, pour la plupart des machines qui vont, qui vont sortir par là. Mais ce qu'on va pouvoir faire... Ouais, hello jean euh, Manon qui cherchait une réponse en mode blague. Non, pour le coup, il y avait pas de blague. Euh, ça, ça voulait juste être euh, du teasing, parce que à terme, à terme, je, 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 vais, euh, je vais zoomer un peu sur la... sur, les, euh, sur le schéma. Hop, allez 150. Au niveau de mon schéma, à côté des, nu des numéros de fournisseurs d'accès, il y a des numéros d'AS. Et si j'ai prévu des numéros d'AS, c'est que comme dans l'ancien HomeLab, je veux faire du BGP. Tout à fait, Manon. On va pouvoir commencer à faire du BGP. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Ah. Ah bon, ah, tu me rassures, Manon <laughs> Tu me rassures, Manon <laughs> Bon. Donc ce qui est assez cool, c'est que là, on va pouvoir... Euh, on va bientôt pouvoir se mettre à faire du BGP, à faire en sorte que les deux. Euh, les deux, euh, les deux, euh, les deux euh, DNS, par exemple, se... Euh, se, se joignent. Là pour l'instant, vous voyez, on a juste ça. Et si je tente depuis ce routeur 2 là de pinguer le 10.1.1.53, hop, point 53, en théorie, il m'envoie bouler. Voilà. Enfin, il m'envoie bouler, il bah, n'y a rien en fait. Voilà, voilà. BGP instance, notre farm. Donc, ça, euh, ça, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne sais pas vous, mais moi je suis content parce que là, pour le moment, on arrive à, à peu près ça. Ça, c'est fait, globalement. Tout ce que j'ai là surligné en bleu, ça, c'est fait. Et ça, c'est très cool. Enfin, c'est fait. Disons qu'au moins, les machines sont là. Je pense qu'il y aura de la conf à rajouter, puisqu'on veut mettre du, du Ansible là-dedans, notamment. Euh, mais euh, on va pouvoir, avec Cloudinit, commencer à rajouter des confs à ce niveau-là. Et, euh, et commencer à faire du BGP, et ça c'est très cool. Alors, Jean Dux, dans quel but est-ce que je fais tout ça euh, Le premier, c'est, euh, je suis tenté de dire, euh, pour le LOL, euh, et dans le même esprit, comme l'a dit Manon, pour conquérir le monde. Euh, c'est euh, tout à fait, c'est un peu ça. En tout cas pour la blague. Euh, maintenant, plus, plus sérieusement, parce que bon. Il y a la réponse en mode euh, je le fais parce que je peux, parce que ça m'amuse. Mais euh, c'est pas seulement parce que ça m'amuse, c'est aussi parce que euh, j'apprends des choses, ou je réapprends des choses. Euh, alors Jean-Lux, je pense pas que tu étais là en début de vidéo, mais en fait euh, cette, euh, ce, ce stream, j'ai dit envie de dire cette série de streams qui a lieu en ce moment tous les jeudis soirs. Euh, L'idée donc c'est d'arriver à faire tout ce, euh, tout ce schéma et, euh, et d'avoir tout ça en mode labo réseau, euh, notamment pour me euh, pour, euh, pour m'auto-former, euh, pour, euh, pour pratiquer certains trucs, euh, et, euh, et notamment pour pratiquer euh, euh, le déploiement de euh, comment dire le déploiement de machines virtuelles et de réseaux virtuels via Terraform. Euh, la configuration initiale des machines via euh, cloudinit, la gestion de configuration via ansible, et aussi euh, le routage dynamique bgp en ayant 6 ben, six, euh, six routeurs qui euh, représentent 6 fournisseurs d'accès internet fictifs. et en plus de ça, on va jouer avec des services réseau. Euh, alors tout ça, c'est du kvm libvirt. Tout Ça est en KVM Libvirt, c'est à dire que euh, le routeur que tu vois là tout en haut, là, ça c'est l'hyperviseur, et en l'occurrence, c'est ma machine de stream pour le moment. Sauf que j'ai une autre machine sous le, sous le bureau qui à terme hébergera tout ce lab. Et euh, ce qui est assez sympa d'ailleurs, j'en profitais pour te le montrer, c'est que avec Terraform, eh bien on peut utiliser un provider Libvirt. Donc je fais pas ça dans le cloud public, je fais ça vraiment sur ma machine en local euh, via, euh, via le provider euh, Terraform, le provider Terraform Libvirt. Et avant, en fait, j'avais euh, un autre lab que j'avais fait entre guillemets euh, à la main, c'est-à-dire en, euh, en créant les machines virtuelles une, une par une et en créant les réseaux virtuels un par un. Et, euh, et euh, le jour où tu casses un truc, et ben, euh, quand tu veux le remettre en place, c'est pas évident. Donc, euh, donc euh, je trouve que c'est quand même assez intéressant de pouvoir, euh, de pouvoir faire ça euh, de façon entre guillemets programmatique, euh, de façon à ce que je puisse tester des cas euh, des de figure un peu tordus et revenir ensuite à une situation euh, nominale euh, fraîchement installée. Alors, je peux utiliser Proxmox, tout à fait, euh, mais j'ai fait le choix, euh, alors déjà d'une, pour l'instant tout ça c'est sur ma machine locale. Euh, alors, je n'ai pas encore pratiqué Proxmox, j'ai envie de dire que ça fait partie de ma to-do list, mais euh, dans l'immédiat, euh, la raison pour laquelle je fais ça via, euh, via Libvirt, c'est que bah, c'est sur la machine locale. Si je voulais utiliser Proxmox... Il euh, faudrait que, euh, que j'installe une VM Proxmox et qu'ensuite j'aille tout mettre dans la VM Proxmox, si je voulais que tout reste en local sur ma machine de stream. Après je pourrais envisager euh, d'installer Proxmox euh, sur, euh, sur ma machine de Home Lab. Euh, mais pour des raisons de, euh, on va dire de, de flemme, euh, pour le moment elle est euh, elle est encore en Fedora la machine de Homelab. Euh, J'en ai entendu beaucoup de bien de Proxmox euh, et, euh, et, euh, et ça fait partie des choses que je souhaite euh, que je souhaite euh, que je souhaite apprendre aussi. Euh, je pourrais peut-être tenter vu que je peux faire euh, je peux faire de la de la virtualisation imbriquée avec Libvirt, enfin euh, surtout avec KVM. Je pourrais envisager de popper des VM Proxmox pour mettre des VM dedans. Une petite pensée pour Exhibit. <laughs> Euh, oui, comme VMware, tout à fait. Il faut dédier une machine, euh, mais euh, ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée euh, que ce soit effectivement euh, de tester différents hyperviseurs. Il y a aussi, euh, il XCPNG hein. euh, dans les trucs qu'on pourrait euh, qu'on pourrait tester à l'occasion. On pourrait envisager euh, mettre, euh, mettre euh, de faire de faire des tests d'hyperviseurs en VM. Ça pourrait être marrant. Euh, surtout que n'ayant pas encore euh, lancé un nouveau projet pour les streams du dimanche, euh, on pourrait envisager de se, euh, de se faire les dimanches, les dimanches qui vont suivre hein, en, en mode euh, à la découverte d'autres hyperviseurs. Hein. Euh, mais il n'y a pas de souci jean luc tu, tu dis ça comme ça, ça pose pas de problème. Euh, parfois même des fois, tu sais, c'est il euh, y a des gens qui, euh, qui, euh, qui balancent une idée et puis on peut se dire ah mais c'est une super idée, tiens, on peut le faire. Euh, Hyper V on peut utiliser on peut continuer à utiliser son Windows. Euh, je crois Manon. Mais pour être honnête, je n'en suis absolument pas sûr. Avant de découvrir d'autres hyperviseurs, je rappelle qu'on doit faire du, to du tome 4. <laughs> ah oui, le, le, le tome 4. Alors je t'avoue que ça fait longtemps que j'en ai pas fait du tome 4. Euh, ça ne me manque pas vraiment. Mais effectivement, ça fait partie des choses. Alors, jean luc je ne sais pas si c'est forcément très, euh, très pertinent. Euh, D'avoir une Debian bureautique avec Proxmox dessus. Je sais que tu peux installer une Debian de base et rajouter euh, la brique Proxmox dessus, mais, euh, mais est-ce que ça risquerait pas de rentrer en conflit euh, euh, avec, euh, avec, les, euh, enfin, avec les paquets bureautiques Il euh, n'y aurait pas des paramétrages qui poseraient problème parce que là, pour le coup, de toute façon, moi, je vais pas utiliser Proxmox sur ma, sur ma machine de stream parce que, pour, pour petit rappel, euh, hop. voilà, je me vois je me vois mal installer Proxmox sur ma Fedora. <laughs> Salut à toi, Alexia Gossa, bienvenue sur ton euh, sur le, sur la vidéo first time chat. Ça fait très plaisir d'accueillir des gens qui, euh, qui sont motivés pour parler. Ah, tu parles pas d'un environnement bureau. Ok, ok, pas de souci. Oui, oui, un environnement serveur. Ok, dans ce cas-là, effectivement, c'est euh... bien, bien, bien. Donc, je suis content. J'ai, euh... hop, j'en suis où Hop, je suis là. Euh... Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on commence à faire un petit peu de BGP Ou pas Ou est-ce qu'on commence plutôt par la partie DNS Essayer de coller, euh, de coller du DNS. Euh, ce qui me fait d'ailleurs penser. Je vais peut-être allumer le, euh, justement l'ancien HomeLab. S'il veut bien. Alors, Manon. Manon, tu veux plutôt du DNS Tiens, je vais peut-être lancer, un, je vais peut lancer un, un sondage, non Hop. Allez. Gérer un pôle. Alors, new poll. Alors... Euh, on continue. On continue par quoi Allez, DNS. Hop, BGP. Euh, qu'est-ce que je peux euh, qu'est-ce que je peux proposer d'autre Allez, ce sera déjà pas mal. Et puis on va faire ça durant deux minutes. Hop Voilà et moi, pendant ce temps-là, pendant que vous faites, <laughs> que vous faites euh, le choix, moi, je vais rallumer l'ancien home lab pour voir euh, ce qu'on avait dessus. Oh, en ce moment, l'ancien home lab, à chaque fois qu'il qu euh, qu qu démarre, j'ai un petit, euh, j'ai un petit frisson. Hein. Parce que pour l'anecdote, la machine que j'appelle le, le home lab, elle a, elle a deux processeurs. Et euh, le chipset chauffe un peu. Parce que c'est un chipset Intel 5500. Euh, et, euh, et que ces chipsets sont connus pour chauffer. Merci de voter, sinon on saura ce que j'ai voté. Euh, D'ailleurs, où en sommes-nous euh, Alors, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Alors, il y a deux votes pour le DNS zéro pour le BGP. Pour l'instant, on est à 100% de DNS, en effet. Alors, pendant ce temps, est-ce que mon home lab veut bien démarrer Est-ce que, comme d'habitude, il n'y aurait pas le câble réseau qui a décidé de me... Ah bah de toute façon il n'avait pas encore fini de biper et de booter. Parce que comme c'est une machine avec des composants serveurs dedans, à mon avis le, le BIOS met un petit peu de temps à, à rendre la main. Hop là. Alors. Où est-ce qu'on en était Hop. Alors le vote... Le vote en est où Manage. Alors il est fini. Voir les résultats. Hop. Alors... Eh bien les résultats ils disent euh, DNS à 75%. Ok, ok, donc DNS ce sera. Hop. Oui Alexia, c'est toujours une histoire de câble, euh, mais en fait c'est euh, un peu euh, comment dire, c'est un peu euh, c'est un truc vraiment bête. C'est que euh, j'en attrapé un autre. Donc là, ce, ce câble là. Si je peux montrer un petit peu à la webcam, alors je vais faire, je vais, je vais, je, je vais faire mon, je vais le passer en mode blog, euh, blog beauté là. Vous voyez, hop, là ce, ce câble réseau là, je sais pas si, hop, je vais éviter, alors je vais éviter de mettre le, le bras devant le micro, mais si vous voyez bien ce, ce câble, eh bien euh, il, a, euh, il a, la petite languette là. Donc ça c'est cool. Mais le câble réseau principal de, euh, de mon home lab. Eh bien, il, euh, la languette est cassée, tout simplement. Mais en dehors de ça, le, euh, le, le câble fonctionne. Donc ça m'embête un peu de le jeter. Euh, je je t'avoue que euh, j'en jette rarement, moi, des câbles réseau. Rarement. Après, je ne sais pas si tu parles de dizaines de dizaines de câbles autres que des câbles RJ45, mais. Euh... Alors. Où en sommes-nous Hop, mon home lab répond. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller jeter un oeil sur le home lab, qui lui aussi est accessible via l'ivirt. Là, vous voyez, il y a un paquet de VM quand même. pop hein. euh... Alors, on va revenir là. On va se mettre là. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer Runlab. Est-ce que Runlab est toujours dispo Run Level. Non. Alors... Hop. Runlab, runlab hop là, voilà. On va espérer qu'il pleure pas comme l'autre jour où il s'était mis à faire pimpon, pimpon. Alors ça a dû casser les oreilles à tout le monde. Alors Manon qui les jette quand ça marche plus, ce qui est, ce qui est pas bête, mais il suffirait de faire la connectique. Ouais, un faux mouvement et plus de réseau. <laughs> hop, et on peut voir pendant ce temps, hop là. Les VM sont en train de démarrer et normalement je dois avoir mon ISP mon, voilà mon DNS 0. donc ça c'est la machine DNS de l'ancien euh, de l'ancien home lab, de l'ancien labo réseau et on avait mis un DNS masque ça ça m'a l'air pas bête de repartir sur DNS masque qu'est-ce que vous en dites Alors, Alexia a aussi des connecteurs qui se cassent, ils vieillissent mal. T'as même eu des câbles qui se craquent. Des câbles qui se craquent Ah ouais Ah ouais, c'est. Euh... Euh, Jean-Dux, tu dis que yep, c'est bien pour DNS Mask, je suppose Hop. Et donc, j'avais mis quoi dans mon fichier de DNS Mask J'avais pas mis grand-chose, je crois. Hein. Alors je sais que c'est un peu petit. Mais si je fais un grep-v de tout ce qui commence par euh, un dièse dans etcdnsmask.conf, ok, et que je lui enlève tout ce qui est une ligne vide, j'ai juste un, euh, ré, un répertoire de conf, ok. Et si je vais là-dedans, est-ce que j'ai des choses J'ai un local.conf dans lequel il y a écrit log queries égale extra. Ouais. Et de mémoire, j'avais tout mis dans mon ETC host. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'avais fait des trucs du genre... Euh, ouais, voilà. Euh... Ok. <laughs> Je m'étais amusé, hein, notre Cloudflare. <laughs> Rien de vaut les DAC ou les fibres. Euh, alors, les fibres, je ne sais pas si c'est super fiable, mais les DAC, ouais. Disons que l'avantage des DAC sur les fibres, c'est que euh, normalement, tu n'as pas de sou euh, Si, il si, faut les coder quand même, des fois, les DAC. Mais euh, normalement, c'est. Et euh... eh ben, euh, ça m'a l'air pas mal tout ça. Hein. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Euh. On va juste installer DNS Mask. Euh, si je prends... Euh, si je prends... Hop. Si je reviens ici... Non, ça c'est le routeur. Bon, on va pas s'embêter la vie. On va revenir ici. On va aller dans Cloud Init. On va faire ISP1, hop, Dns1. Et on va rester dans le user data. Euh... On va lui dire dans les packages, installe-moi DNS mask. Euh... Alors pour le moment, je vais le faire via CloudInit. Je vais le faire via CloudInit, mais je pense que je le ferai via Ansible. On le refera via Ansible après. Euh... Hop, et, euh, et au niveau content, dans Cloud Init, est-ce que je peux faire un append Module référence, quand on euh, write un file. Est-ce qu'il y a un append plutôt ou pas Non. Donc on allait regarder write files. Ah ça y est, vous êtes parti sur les... Euh, sur les DAC et les SFP et, euh, et tout ça. Oh là là, la conversation. Euh, salut à toi, euh, Bégalin. Bienvenue. Alors, est-ce qu'on peut faire un append Oui, on peut faire un append. Nickel. Donc, ce que je peux très bien dire, c'est d'aller ici, là, de faire un, hop, un autre content. Voilà, et de rajouter. Qu'est-ce qu'on avait mis dans le euh... Hop. On avait mis quoi On avait mis, ouais, on avait mis des sites. Mais ce qu'on peut faire, c'est effectivement. Euh... Ah, j'avais mis, j'avais mis, ouais, j'avais mis un NTP en plus. Euh... Bah, ce que je peux faire c'est dire euh, c'est mettre une IP et lui dire bah 10 euh, ouais, 10.1.1.53 puisque c'est ça que j'avais mis. Hein. Euh, j'avais mis ça, ouais. Hop. Euh, et on va dire que ça va être euh, ns1.example.com Voilà. Et on va dire chemin, ce sera ETC host. Hop. ETC host. Et append à trou. Du coup, l'ordi qui a le bastion SSH a une IP qui finit par 22. Euh <coughs> Bonne question, maintenant. Euh, bah, si on fait un bastion, ouais, peut-être qu'on fera ça, pour le lol. Euh... Et on pourra peut-être éventuellement... Déjà, on va faire ça, on va voir ce que ça donne. Euh, DNS masque, on a le... Euh... Déjà, on va commencer comme ça, gentiment. Et euh, on va euh, tout redétruire et tout recommencer. Hop Et on va voir ce que ça donne. Alors, pendant que ça. Voilà. Ça destroy, ça recrée. Tout va bien. Pendant ce temps, côté libre moi, ça, je peux le couper là. Ça. Je l'enlève, et effectivement, les deux routeurs ont démarré en même temps. C'est magique quand même l'infrascode. Ouais, grave. Euh, tu nous laisses, tu faisais que passer. Il n'y a pas de souci, Alexia. Euh, tu, euh, si jamais tu as envie de regarder le, euh, le replay, il n'y a pas de problème. Et, euh, et puis de toute façon, je stream tous les jeudis soirs et les dimanches. Euh, bon courage pour, pour le firmware de ton multimètre numérique. Mais bisous à toi. Et Jandux aussi qui nous, la, qui, nous lie, qui nous quitte, qui nous laisse. Bah, il n'y a pas de soucis, euh, t'inquiète pas, de toute façon, il reste... Euh, je termine normalement vers 22h, donc... Mais euh... bah, je t'en prie, Alexia, il n'y a pas de soucis. Alors... Ah oui, ils sont en train d'attendre gentiment les 60 secondes. D'ailleurs, il fait quoi Il fait les deux slips en même temps Ouais, il fait les deux slips en même temps. Hop. Et donc là, voilà. Il a popé toutes les VM. Donc, mon ISP1 DNS 1. Maintenant, on va pouvoir. Oh, bah tiens, on a un anonyme qui vient d'envoyer 100 bits. Merci beaucoup, cher anonyme. C'est très gentil. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Hop. Alors. Euh. ISP1, DNS1, hop. Est-ce que c'est le même anonyme que chez Yves Rougi que chez Yorzian? Bonne question. Bonne question. Est-ce que c'est le même anonyme qui est number one euh, en, euh, en gifteur de sub chez Yorzian <laughs> J'en profite pour signaler d'ailleurs que euh, vous pouvez vous amuser avec les emojis euh, moutons. Hein il y a des emojis moutons qui sont euh, qui sont accessibles quand, euh, quand vous êtes sub et quand euh, et quand vous avez euh... oh bah génial Manon qui surenchérit Manon qui a décidé d'être la, la, la reine des, euh, des subs et des euh, et des cheers sur euh... oh non un hype train non premier hype train de la chaîne premier hype train de la chaîne qui arrive ah hein et Alexia qui, euh, qui renchérit avec un sub. Merci beaucoup Alexia pour le sub. C'est très gentil à toi. Oh j'y crois pas. Le hype train. Allez, 44%. Chou chou. J'aurais pas la commande SL quelque part. Hop. Non. Allez. Allez. Si on a un hype train qui arrive, moi je lance la commande SL. Hein. Attention. Et ça repart, encore 100 bits, encore merci d'ailleurs. Allez, est-ce qu'il y a un moment... Euh, hop. pendant ce temps, on va peut-être faire un man de SL. Hop. Euh... Cure your bad habit of in-typing. <laughs> merci beaucoup Manon, qui juste pour être au-dessus donne 101 bits. Euh... It flies like the... Oh Alors ça, le moins F. Le moins F, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire. Ouais, la guerre du ça dé a débuté. <laughs> C'est ça. Ouais, je tente ça. Allez, si on arrive au level 1 du Hype Train, je fais, fais un SL grand F, parce que Galaxy Express 999, quand même, grand, euh, grand moment de... Euh, grand moment d'anime. Ah là là Est-ce que je vais avoir mon premier Hype Train Roulement de tambour C'est quand, quand même pas mal ça. Oui, donc, j'en étais où moi avant qu'on parle de Hype Train Je parlais des emojis, ouais. Si jamais. Et <laughs> Rancune qui rajoute 100 bits, merci beaucoup Rancune. Merci à toutes et à tous, franchement c'est sympa. Allez, on est à 63%. Et pendant ce temps, je peux en profiter pour vous parler des emojis. Des emojis moutons. Hop, merci beaucoup Manon qui a offert, euh, qui a offert un, un sub Tiroine à Nidouille. Et, euh, et visiblement, il y a un anonyme qui renchérit. On a atteint les 100% du level 1 du hype train. Vous êtes géniaux. Vous êtes dingue Je vous adore. Tout ça pour avoir le petit train. Allez. Et bim. Tchou tchou je crois que ça va être une, euh, une tradition. C'est chaque fois qu'il y a des hype trains sur la chaîne, je, je lâcherai un coup de, un coup de SL... Euh, <laughs> oh, non. oh, ça c'est moche par contre. C51, Appears Inspire of D51. 50... Ça m'intéresse ça. Si on fait ça, il y a un C51 quelque part qui apparaît Ah non, là c'est un D. Allez, je, je le relance. Hop. Merci beaucoup, Rancune, à nouveau pour tes 100 bits. Euh, moins C. Allez, SL, moins C. Hop. Et en fait. Hein... Bon, je vois pas trop la différence. Mais on s'amuse. Hein. On s'amuse. Oh là là, 11% du level 2. Bon, je vais vous parler quand même des émojis. Il y a des émojis moutons sur la chaîne. Donc celles et ceux qui viennent de sub, bah, je pense à Alexia, mais Alexia, je crois qu'elle a, elle a, elle avait des choses à faire. Il y a Nidouille aussi qui a reçu un sub de la part de Manon. Manon qui est sub depuis, euh, depuis un petit moment et qui fait partie des... Euh, des soutiens importants de la chaîne et voilà et qui peut euh, et qui peut profiter de ces de ces émojis moutons avec des petits lol des petits hello et rancune qui en profitent aussi donc n'hésitez pas à vous en servir ils sont là pour ça euh, ils ont été faits euh, ils ont été faits avec euh, avec sympathie et dextérité par studio cyanotype et, euh, et moi ça me fait toujours plaisir de les voir de les voir passer sur, euh, sur la chaîne vous pouvez même vous en servir sur d'autres chaînes. Euh, mais je ne me permettrai pas de vous. Euh, de, euh, de trop vous encourager à, à le faire, sauf si vous le voulez vraiment. Et Manon qui aimerait rajouter un. Ah bah, bah oui, t'as le chat du, euh, du Hype Train. C'est ça, non Non, c'est quoi les, euh, les, euh, les emojis du Hype Train C'est pas le chat, si Tu préférerais un chat à la place du mouton <laughs> Mais je crois qu'il vient du, euh, du hype train le chat, j'ai un doute. Glitch chat, glitch cat, autant pour moi. Euh... Les émoticônes vertes, ouais, moi aussi j'aime bien. Euh... Où en étions-nous Donc on avait lancé notre truc. Là, on a notre ISP1 DNS1 qui a popé. Euh... Et si on rajoute. Un petit password. Ah, il a peut-être pas encore. Alors je sais que des fois j'ai un peu du mal. Euh, pourtant il a lancé la oski. Ah il a lancé la host Ça fait un peu vieux carte Hercule pour les vieux. Euh, tu veux dire Hercule le chat euh, rancune? Hercule de pif et Hercule? En tout cas, vous avez été franchement géniaux. Encore merci pour le hype train, ça me fait super plaisir. Attends, on est d'accord que j'arrive à écrire password correctement, ouais. Mais bah, bah enfin, hop. C'était des cartes vidéo monochrome d'un autre temps. Ah, j'ai pas connu. Alors j'en ai, con... ai connu des choses, mais ça non, par contre. Hop. Est-ce qu'il se serait... Euh... Non. Mais oh, bah alors, comment ça se fait ça Alors, on va prendre ici, on va aller regarder... ISP1, DNS1. Et si je fais ça, c'est bon. J'ai l'impression qu'il n'a euh, qu pas aimé... Euh... Pourtant, j'avais bien mis... Euh... Si je reviens ici... Ouais, J'ai bien mis plain pass password. Ok. Euh, si, si jamais si jamais on trouve des, des photos de ces cartes-là, ça m'amuserait, tiens, pour, pour la blague. Euh, ah bah tiens, Hercule graphics card. Nickel, c'est sur Wikipédia. Hop, et on va déplacer ça dans. Ah mais euh, ok, les, les, oh, les cartes graphiques, oui, 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 les, oui. effectivement. Oui. Ah oui, effectivement, oui, les cartes graphiques Hercule, ouais, pour le coup, j'ai pas connu. Et eh bien voilà, le hype train. Le hype train, c'est terminé. Merci à vous. Merci beaucoup. Hop, petit chouchou. Deux subs, 804 bits. Vous avez été d'une générosité. Merci extrêmement. Merci énormément. Je suis. Je suis comblé. Euh, je suis comblé. En revanche, mon, euh, mon serveur DNS, lui, là, il, il a décidé que... Euh, euh, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, enlever mes modifs et relancer le Binyu. Alors, je vais enlever ça parce que je pense que ça, ça doit être le... Hop, et je vais juste, pour le principe... Euh, Hop, Décommenter ça dans un premier temps, on va voir ce que ça donne. Allez, et ce sera sans doute le dernier truc de ce soir. Hop, parce que je sais pas vous, mais euh, moi demain euh, je travaille. Il y a longtemps, dans une ancienne vie, euh, dans une ancienne vie professionnelle, euh, je croisais régulièrement euh, une une personne qui, euh, qui faisait le ménage dans les bureaux et, euh, et cette personne elle avait pour habitude lors des euh, justement des euh, vous voyez des des, des des ce genre de journée des, de type pont bah, cette personne en fait elle ne elle avait pas forcément le, le choix de pouvoir prendre le pont et, euh, et elle disait ben il euh, euh, y a il euh, ceux qui font il euh, y a ceux qui font le pont et il y a ceux qui font le con et moi je fais le con. Bon après la personne en question disait ça en rigolant et avait, euh, avait pas mal d'humour. Hein. Mais je trouvais ça très amusant. Alors pour l'instant toujours en train de créer les... Euh... Donc là normalement on doit avoir deux routeurs. C'est ça, on a deux routeurs. Eh tiens, le, le home Lab n'a pas encore fait pimpon. Il fait moins chaud. C'est plutôt bon, si. <laughs> euh, et là, normalement, voilà. On a nos... Euh... Hop, et ça démarre. Euh... Est-ce qu'on va... Est-ce qu'on va réussir à ça avant la fin du stream Bonne question, hein. Alors, là, normalement, il va commencer à balancer des, euh, des infos sur CloudInit, non Ah, là, cette fois-ci, je suis logué. C'est cool. DNS Mask n'est pas encore installé. Enfin, il n'est pas installé, donc pas encore. Donc ça, euh, ça veut dire qu'il n'a pas encore exécuté euh, la dernière partie de CloudInit. Parce qu'en fait, Cloudinit va à peu près dans l'ordre. Mais du coup, ça doit vouloir dire que si ça se trouve, voilà, il est en train de bosser. Si je suis un petit IPA, pour l'instant, il a, il a récupéré l'IP du DHCP. Et là, il y a Cloudinit qui va commencer... Enfin, qui va pas, enfin il ne va pas commencer, mais il va continuer tout ce qu'il est en train de faire. Et donc, si je reviens hop, ici. Donc, il a, dû faire, il a dû faire ça. Il a dû faire les write files. Mais ça, du coup, pour l'instant, ça, je l'ai mis en commentaire. Et, euh, et et, et euh, packages ça c'est ce qu'il doit être en train de faire là il doit être en train de s'occuper voilà, des packages si je refais un petit rpm-q dnsmask toujours rien euh, si je lui demande fail to ban to... euh, c'est quoi le premier package que j'installe tiens c'est fail to ban-server non pas encore installé ah, C'est qu'il n'a pas encore fini de mettre à jour euh, la liste des repos. Ah là là. Je m'en remets pas hein, du, euh, du hype train de ce soir. Je ne l'ai pas vu venir. <laughs> voilà. Allez, installe-moi tous les packages. Alors, voilà, il m'installe. Hop, j'ai cru voir un Ah non, ça doit être un euh, fait to ban. Voilà, nickel. Donc là, entre temps, hop, il a dû changer d'IP. Voilà, il est passé en 10.1.1.53. Euh, si je vais chercher DNS Mask, il est installé. système CTL status DNS masque donc il est euh, chargé inactif et il est disable ok vendor preset disable ok donc ça c'est plutôt bon ça c'est plutôt déjà un bon, euh, bon premier point ensuite maintenant on va on va refaire pareil hop on va juste relancer vite fait euh, le truc et on va voir si DNS Mask se lance et une fois que DNS Mask sera lancé je vais en rester là et euh, on verra euh, l'ouverture euh, l'ouverture euh, firewall et euh, l'ajout de configuration euh, lors du prochain euh, prochain stream voilà il a détruit il recrée il va prendre sa petite minute de, euh, de pause réglementaire voilà, il commence à. Hein, hop, on le voit travailler. Enfin, travailler. On le voit attendre. Normalement, au niveau VM, voilà, j'en ai plus que deux. Normal. Allez, 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 allez. Il faudrait vraiment que je trouve un moyen, quand même, pour essayer d'avoir euh, vraiment le. que j'arrive... Je pense qu'il y a peut-être moyen que je gratte encore 10 secondes, en fait. Mais c'est un peu dommage que je sois obligé de faire un, une attente de 60 secondes, juste parce que ce que je veux, c'est que, que la, les routeurs aient fini de faire leur cloud init avant que les... Euh, avant que les... Euh, que les VM autres commencent à démarrer leur Hop, voilà. Donc là, il a popé les VM. On a normalement, si je reviens ici, les VM qui démarrent. Et on va pouvoir refaire. Hop, et voilà, il est en train de démarrer. Voilà. Ok. Donc là déjà, il y a l'utilisateur qui est, qui est correctement mis en place. Et euh, si jamais... Euh, bah du coup, il va falloir que j'attende gentiment que Cloudinit termine. C'est peut-être... Peut-être... Euh, vous allez me dire c'est facile à dire, hein, parce que c'est pas moi qui, euh, qui ai programmé Cloudinite, mais... Euh, mais... Euh globalement euh, je le trouve un peu long à la détente mais il a le mérite d'exister hein. euh, on va pas se mentir c'est quand même bien pratique comme logiciel hein. de pouvoir comme ça rajouter une, une, une configuration on va dire de premier niveau Et... Et... là du coup ouais, il met à jour euh, il se met à jour les repos. Hop, voilà. Donc tout pendant qu'il dit DNS Mask is not installed, c'est qu'il n'a pas fini. <laughs> Euh, non, mais en plus, il vient me pourrir l'écran. Euh... Non, franchement, euh, Cloudinit, euh, je t'aime bien, mais. <laughs> mais vilain Cloudinit, quand même! <laughs> Allez. Voilà. Fait le ban. C'est bon. C'est marrant, le watch. Euh, le watch vient pas. Euh... Ah, je, je crois que j'ai cru voir le watch passer à un moment. Donc là, il a mis la, la host key. Donc, ça, c'est qu'il a, il a fini la partie. Euh... Allez. Allez, on va vérifier ça nous-mêmes. DNS mask et il est installé. C'était le status DNS mask et et il est chargé, il est actif. Voilà. Donc on a DNS mask. Parfait. Nickel. On va pouvoir s'arrêter là pour ce soir. Hop. Donc Eh bien, j'espère que ce stream vous a plu. Je pense que oui, sinon il y aurait pas eu de web train. Encore merci. C'était génial. Euh, je stream habituellement les jeudis de 20h à 22h et les euh, dimanches de euh, 18h à 20h. Donc n'hésitez pas à passer à passer me, me, me voir dimanche si ça vous amuse. Euh, là actuellement donc la, la série de stream que je fais là sur le euh, sur le lab, je l'ai fait le jeudi. Le dimanche je fais autre chose. On a fini euh, il n'y a pas très longtemps une une autre une autre série de vidéos. Donc on va attaquer un nouveau projet. Euh, dans les, euh, dans les semaines à venir, à moins qu'on justement on se lance dans des, des essais de de distrib, de virtualisation, ça pourrait être amusant. Je ne sais pas encore trop exactement. À la base, j'espérais faire des trucs à base de conteneurs, mais euh, je sais pas trop comment, euh, comment je vais organiser tout ça. Toujours est-il que euh, entre, deux, euh, entre deux streams, vous pouvez euh, me contacter euh, ou vous pouvez euh, rejoindre la petite communauté qui se forme sur le Discord dont l'adresse est en dessous. Euh, vous pouvez aussi bah, papoter avec moi sur Twitter, sur Mastodon. Pareil, tout est en dessous. Et avec bon, un certain délai, quand même, il y a euh, les replays bien entendu sur Twitch, mais il y a aussi les replays sur ma chaîne YouTube. Pareil, en dessous. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, voilou, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous donne rendez-vous dimanche ou jeudi prochain, euh, selon, euh, selon ce, qui vous, euh, ce qui vous fera plaisir. Et d'ici là, eh ben, prenez soin de vous. Bye bye